بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله احق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من حازوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات حياكم الله On poursuit les cours aujourd'hui avec le Shah, l'explication des 99 à Hadith concis. Compilé donc par Shir Saadi Rahmullah. On reprend au Hadith 69. Il est intitulé Le croyant ne se fait pas berner deux fois. Le croyant ne se fait pas berner, ne se fait pas avoir deux fois. On pourrait se dire C'est quoi en relation avec autrui. C'est-à-dire, cette personne-là m'a fait telle chose ou on m'a fait tel coup, je me ferai pas avoir de foi. Oui, dans le sens premier, on pourrait le prendre comme ça. Mais c'est aussi, aussi et surtout, personnel. Par rapport à son propre cas, c'est-à-dire à ses erreurs, à ses fautes, au fait de s'être fait finalement duper et berner par Shetan. Comprenez Avoir suivi ça, sa, sa passion. Être tombé dans le trou des péchés. On ne se fait pas avoir deux fois. Le croyant ouais. ne se fait pas avoir, ne se fait pas berner deux fois. C'est plus dans ce sens-là. Waddé. Abi radi radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant ne se fait pas mordre deux fois par un serpent issu d'un même terrier. Rapporté par Al-Bukhari wa al muslim. Le commentaire du Shir est le suivant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette métaphore, à savoir le serpent qui mord. Non. Il l'a utilisé pour souligner le fait que le croyant doit être parfaitement attentif et sur ses gardes. Pas forcément, je le dis, hein, par rapport à autrui. Ainsi, la foi du croyant l'empêche de commettre des péchés qui lui sont néfastes. Et s'il succombe malgré tout à la tentation, le croyant s'empresse de regretter son acte, se repent et revient vers Allah. Et on sait parmi les conditions du repentir c'est quoi Avoir la ferme conviction intention de ne pas retourner au péché. Donc le croyant ne se fait pas mort deux fois par un serpent, un même serpent, issu d'un terrier. D'accord C'est-à-dire que la métaphore expliquée, c'est le croyant ne se fait pas avoir par le shaitan qui le fait tomber dans le péché deux fois. Il a fauté, et tout fils d'Adam est pécheur, mais il en tire des leçons, il se relève, il se repent, et le repentir sincère et complet, c'est qu'il ne retourne pas au péché. C'est ça, la définition de la chose. Son repentir, donc, au croyant, ne sera vraiment parfait que s'il prend toutes les précautions nécessaires pour s'éloigner de la raison qui l'a poussé à commettre le péché en question. Non, fait partie du repentir sincère et complet, voilà, comme on disait, de ne pas retourner au péché et donc de ne pas reprendre les chemins qui mènent au péché. Sinon, ce n'est pas vraiment un repentir sincère. Si tu continues un peu à, à zoner, je dirais, non, à errer autour du trou dans lequel tu es tombé. C'est très dangereux. Et tu risques fortement d'y retomber. C'est un tout point comparable à la situation d'une personne qui aurait été un... mordue parce qu'il aurait introduit sa main hein, dans un terrier et qui se serait fait mort par un serpent. Donc, ben, il va pas s'aventurer ici une deuxième fois. Il ne s'aventurera alors plus jamais à réintroduire sa main dans ce même terrier en raison de ce qui lui est arrivé la première fois. Normalement, on doit penser comme ça. On doit penser comme ça. Et je répète pour son propre cas, pas forcément. Euh... J'ai été naïf parce que le croyant, de base, hein, il n'est pas pervers. Il n'est pas calculateur. Il est naïf. Là aussi, c'est rapporté. Le croyant se fait avoir par les gens. Dû à sa gentillesse, sa miséricorde, sa naïveté. Il se fait avoir. Et réavoir, réavoir, comme ça. Non. Après, c'est pour lui. Parce que lui, il a développé des bonnes actions et de la gentillesse. Et de l'autre côté, si les gens l'ont manipulé, ont calculé et ont abusé de cela, ça, c'est contre eux. la fasse qu'on soit du bon côté de la barrière. Non. Mais là, c'est vraiment personnel. C'est de se dire, voilà, j'ai fait ces, ces erreurs-là. Par exemple, on dit de mettre la main dans le terrier, je me suis fait mordre. Parce que là, ça touche notre nef comme ça directement. Je veux dire, c'est une morsure, c'est douloureux. Instinctivement, le nefs va dire, moi, je ne ramène plus jamais ma main comme ça. Ou prenons les hommes de la casserole chaude. J'ai posé ma main sur la casserole, plus jamais je le fais, je me suis brûlé la main. Quant au péché, on est beaucoup plus laxiste et idiot, je dis. On sait très bien que. Tourner autour de ce trou, comme je disais, flirter avec telle situation, faire telle chose, ça a mené au péché, on dit qu'on se repent, mais ensuite, comme ça, on se remet, et c'est vraiment stupide, à circuler autour de ce trou, hein peut-être naïvement en disant je ne vais pas y tomber, ou bien alors y retomber gaiement. C'est stupide et c'est la preuve que le repentir n'était pas réellement complet et réellement euh, parfait et sincère. Non, on devrait tirer plutôt le son de ce qui est arrivé là, la première fois. Se dire, il m'est arrivé un malheur, parce que le péché est un malheur, je ferai désormais attention. Mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Est-ce qu'on prend soin de notre foi ou non Prochain point, s'il est vrai que la foi incite et exhorte le croyant à obéir à Allah, et suscite en lui la tristesse lorsqu'il perd l'occasion d'accomplir des bonnes œuvres, cette même foi est censée le dissuader de commettre des péchés. S'il en commet malgré tout, sa foi le presse de les délaisser et de ne plus jamais y retourner. Une foi sincère et solide. Ce hadith incite également à faire preuve de vigilance et de perspicacité dans toutes les situations. Ce qui implique de connaître les causes permettant la réalisation des objectifs présentant un intérêt certain. Et de connaître aussi celles entraînant des conséquences fâcheuses afin de les éviter. Tu sais que ça, c'est un tremplin vers le bien. Comment y accéder Comment l'emprunter non. Tu sais que ça, c'est une pente raide vers les, 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 les péchés, la détresse et, et, et le mal et la peine. Comment faire pour l'éviter C'est la perspicacité, tout simplement, de l'intelligence. Donc, le croyant, avant même de tomber dans ce trou-là, il doit déjà se renseigner où il y a des trous pour ne pas y, pour ne pas y tomber. Tout le fait d'apprendre sa religion le halal, le haram, le shirk, la bida, le turid, la sunna, les bonnes mœurs, les mauvaises, les risques, les ceci, les hein, l'ambigu. L'ambigu, le détestable, etc. On sait. On doit savoir où on chemine. Enfin, ce hadith incite également à s'éloigner de tout ce qui peut susciter le doute. Ben, J'y venais, les ambiguïtés, hein, tout ce qui est douteux. Et de, si on s'en approche, des choses qui peuvent nous faire sombrer dans le mal. cest Dire que, de prime abord, c'est pas le mal, mais c'est douteux. Mais c'est douteux. Du coup, si on s'y approche, on pourrait euh, se laisser happer par le mal. Ce hadith est d'ailleurs un argument qui vient valider ce qu'on appelle le principe de précaution. Prendre ses précautions. Et Allah Azzawajal, d'ailleurs, a mis en garde les croyants contre le fait de revenir vers les péchés que Shaitan sait si bien embellir à nos yeux. Shaitan nous enjolive vers hein, les péchés. Les péchés ne sont en vérité que perte, douleur, souffrance, tous les péchés, quels qu'ils soient. Il n'y en a pas un hein, qui contient du bien. Si Allah Azzawajal a permis la chose, c'est du khre, Inch'Allah. Mais si Allah Azzawajal par miséricorde, science et sagesse a interdit une chose, X ou Y, qu'elle qu'elle soit, après que les gens en discutent, ne soient pas d'accord, que le nef ne l'accepte pas, que la passion contre car Non, ça c'est autre chose. Mais si Allah a dit que cette chose-là est haram, c'est forcément pour préserver le serviteur. C'est forcément parce qu'il y a une perte et une souffrance. Plus ou moins. Mais il y a forcément un effet néfaste. Non, il y a des gens qui se persuadent que dans les péchés, il y a du bien. Il y a des gens qui, dans le haram, cherchent du bien. Il y en a même qui disent Bismillah ou qu'Allah me facilite ou c'est avant le haram. Ça peut vous paraître peut-être fou, mais ça existe. Alors, si on prend des exemples entre guillemets, hein, parce que ça restera des péchés ce que je vais citer après, mais extrêmes dans le sens connu de tous. Dire Bismillah avant de boire un verre d'alcool, tout le monde va dire mais celui-là il a perdu la raison. N'arme. Dire qu'Allah me facilite avant d'aller forniquer, celui-là va dire il a perdu la raison. Il raconte n'importe quoi. Mais au quotidien, Shaitan embellit si bien les péchés. Et nous empêche de prendre les précautions qu'on se retrouve sur des pantraides comme je disais, à courir vers les péchés avec le sourire, en pensant qu'il y a du bien, mais pire en disant Bismillah rahim oh Allahu akbar. Et ça existe tous les jours, avec des choses, non pas la fornication directement, non pas l'alcool directement, non pas le meurtre, mais des exemples comme les études, des exemples comme le travail, des exemples comme le voyage de la femme seule. Comment me dire, attends, voyager c'est haram la femme, Pour la femme seule, oui. Et c'est dangereux, dangereux pour elle et c'est une fitna et c'est très grave. Et Allah est en colère contre cette femme-là qui fait ça. Et elle se met en danger. Mais le travail et les études, qu'est-ce qu'il en est Le travail en soi, c'est bien, étudier n'est pas interdit, mais dans quelles conditions Bah, c'est comme le voyage. mais c'est des choses qui me viennent comme ça parce que c'est les plus banalisées en vérité. Quand quelqu'un est un nid il fait tel ou tel péché connu euh, dans le commun de tous les gens, musulmans, avec un million de fois bien sûr, comme étant un péché. Peu vont se risquer, s'aventurer à dire Oh, qu'Allah me facilite. Ou Bismillah. ce que c'est clair. Mais le shaitan, regardez comment il embellit les choses. Et il met le doute. Si bien que la personne invoque Allah Azogel pour qu'elle lui facilite ses études. Ses études se passent dans la mixité, dans le couvre. La personne elle a des cours de philosophie, de shirk. La personne elle, est assise à côté d'une fille en classe ou des ateliers mixtes, ceux que vous voulez. La personne ne prie pas à l'heure. La femme ne met pas son voile. Dans les études, dans le travail. Mais la personne pense qu'il y a du rire et du bien. Et elle dit qu'Allah me facilite. Et qu'Allah m'aide. Elle espère la baraka d'Allah azogène en disant bismillah avant de se rendre ci ou ça. Cette femme prend l'avion pour aller dans un autre pays. Sans mahram. Et elle dit bismillah qu'Allah me facilite. Elle fait sa valise. Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire Bis. Le, le bi, Le bismi. Et le bismillah. Au nom d'Allah. D'accord Bismillah. C'est ça que ça veut dire. En vérité, de manière plus détaillée, comme expliquait le ulama, c'est j'invoque Allah par ses plus beaux noms et attributs. Imaginez la totalité pour qu'il mette une certaine baraka, bénédiction dans mon affaire. Mais ça, ça ne se fait pas avant de commettre un péché. Ça voudrait dire, ça voudrait dire, au nom d'Allah, par ses plus beaux noms et attributs, je sollicite donc son aide, Naam, pour qu'il me facilite dans ce péché. Au-delà d'être un non-sens, c'est grave. C'est un péché en soi, et c'est grave. C'est grave. C'est pas, je fais le péché et je dis plutôt là. En vérité, quand euh, dans des cas comme ça je parle, hein, des cas euh, banalisés malheureusement, banalisés fortement comme ça, les gens avant de se rendre là, ce que je suis pas en train de dire je suis dénué de péché. On va me dire Mais toi tu es qui? Tu... Je suis pécheur, bien sûr. Mais Hamdulillah, je dis pas qu'Allah me facilite ou, bismillah, avant de commettre mon péché. Alhamdulillah. Et je ne suis pas parfait, mais Alhamdulillah, je, je n'ai pas ce, cet égarement. Regardez. Voilà. Alhamdulillah. Et j'espère que vous ne l'avez pas non plus. Faut se remettre en question, quand on nous accorde la clairvoyance. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais ce que devrait dire, cette femme qui prendrait cet avion pour aller en voyage seule, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. En vérité, elle doit avoir le cœur resserré, pas la poitrine apaisée, de faire ce péché-là. Normalement, le croyant quand il fait un péché, oui, oui, il peut être pris d'une passion. Encore une fois, je suis pas encore en train de dire. Mais alors, euh, les fils d'Adam doivent être des anges et ne commettre aucun péché. Ou je suis parfait, ou je suis mieux que vous. Non. Je dis juste de manière globale que le fils d'Adam, croyant, sincère, oui, qui tombe dans des péchés, devra avoir le cœur serré, avoir des regrets, ne pas être à l'aise avec ça, encore moins solliciter l'aide d'Allah avant de commettre un péché. Ce qui est tout à fait logique. Donc, être plus sur le là situé yani, dans ci ou dans ça, hein, euh, c'est un petit peu comme invoquer Allah pour euh, que Allah facilite le crédit. C'est pareil, il y a des gens qui font ça. Ils font ça, ils ont un crédit, ils font une sadaqa. J'ai vu ça. On m'a dit, voilà, le frère, il a acheté ça. Ilan, il a acheté sa maison, il fait riba, il fait une chose qu'Allah déteste. Le plus bas degré de riba, un centime de riba, c'est pire que de forniquer avec sa mère. Imaginez la fornication avec sa propre mère. Imaginez la fornication déjà. Avec sa mère. Wal Bah là, le plus bas degré du riba, c'est pire que de forniquer avec sa mère. Bah t'en as qui font une sadaqa pour fêter ça. Masha'Allah. Masha'Allah ta'ala, il faut une sadaqa. Il est dit comme ça, le frère. C'est un frère qui me posait une question. Mon cousin là, il fait une sadaqa, il invite les gens pour fêter sa maison qui a eu un riba. Et il remercie Allah Azzawajal. Bah voyons. Et après, c'est quoi que les clans, quand, ça va être comme les, les, les membres de gang qui font une danse et qui font un, un barbecue et qui font une fête quand ils ont tué quelqu'un du camp adverse. On pourrait dire, il exagère ou... Naam, pourrait en rire presque. Mais non, ce n'est pas drôle. On vaut pas mieux que ça, finalement. Si on fête nos péchés, on peut, peut être baisser les larmes à J'ai fait des péchés, je ne suis pas un ange, c'est vrai. Mais j'en suis pas fier. Mais y voir du bien, s'en réjouir, fêter cela, non donc cette personne qui va faire ses études dans tel et tel contexte, je juge que ce qu'elle fait est haram. Maintenant, quand lui facilite à sortir de cela, je ne suis pas en train de condamner mes frères et sœurs, ou de dire qu'il n'y a rien de bien chez mes frères et sœurs, ou de dire que je vaut mieux que mes frères et sœurs. J'essaie juste d'indiquer la route à suivre, et au moins la, la bonne euh, gamberge, par rapport justement, à nos fautes. Parce que Shaitan nous embellit trop les choses. Et c'est à force de nous les embellir qu'on les banalise. On banalise nos péchés, on les minimise. Parce que commettre des péchés, c'est une chose. Mais avoir conscience que c'est un péché, c'est plus facile pour accourir à le repentir. Que si on se persuade que c'est du bien, c'est comme le principe de l'innovateur. Il est persuadé, mes frères et sœurs, de faire du bien, cet innovateur-là. Il est convaincu de faire du khreir. Il est convaincu. il se disent, je fais du bien. Je suis en train d'adorer Allah gel comme un pieu, comme un dévot. Il est dans l'égarement total. Il est, comme dit Ibn Taymiyyah, combien de gens sont persuadés de faire du bien et de plaire à Allah alors qu'en vérité ils suivent et ils obéissent à leur passion. Et Shirim Nubaz aussi le disait comme ça. Rahmallah. Comment revenir de ça bah Finalement les gens qui ont été euh, un, dupés par Shaitan et à qui les péchés ont été enjolivés à un point tel d'y voir du bien, c'est la même chose. Comment ils vont revenir Comment revenir puisque cette, cette sœur-là qui va faire tel type d'études, tel type de travail est convaincue que ça c'est un bien Comment elle peut avoir de la, de la gêne et du regret dans le cœur son père est fier, sa mère est fière, tout le monde l'encourage. Ils font sadaqa quand elle a eu son bac. Elle a eu son bac. Dans quelles conditions elle a eu Est-ce qu'Allah, il est, il est heureux d'elle Il est ravi d'elle Absolument pas. Ce frère-là, il a le travail. Il dit Je gagne bien ma vie. Mais il ne prie pas. Il ne peut pas prier. Il serre la main aux femmes. Toute la journée, tête même, il fait la bise aux femmes. Mais Machallah, il gagne sa vie. Et il dit Alhamdulillah, j'ai. Hein, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Quel Alhamdulillah Wallah, il était mendiant, Alhamdulillah, c'est mieux. Mais on raisonne avec quel oeil Et quoi on regarde tout ça, toujours avec l'oeil de la dounia Et je parle pour moi en premier. C'est d'une tristesse. Wallahi, c'est d'une tristesse. On n'a pas les yeux en face des trous. On voit avec la dounia. On ne voit pas avec elle. Et plein de fois comme ça. Comment on sent ça Comment euh, la sœur, elle voyage comme ça elle est heureuse de son voyage et dit alhamdoulillah j'ai profité. La création d'Allah, magnifique, la méditation. Comment on peut prendre du bien dans du mal C'est comme dire oh, alhamdoulillah la fornication, hein, le plaisir charnel. Vraiment, Allah il a créé l'homme, la femme ah, pour qu'on se retrouve en harmonie. C'est pareil C'est pareil C'est comme si pendant Ramadan, tu bois et tu manges et tu dis alhamdoulillah vraiment les ni'am d'Allah Azzawajal. Ah l'eau, quel plaisir l'eau Mais c'est Ramadan, c'est haram ce que tu fais. Et tu dis alhamdoulillah c'est tous les jours qu'on voit ça, mes frères et sœurs. C'est tous les jours. Alors, quand Allah nous facilite à délaisser les péchés, nous ne serons jamais des anges. Mais quand Allah nous donne la clairvoyance pour qu'on ait la tête basse, les yeux humides, le cœur resserré quand on est dans les péchés, c'est plus prompt à nous amener vers une voie de repentir. Sinon, on baigne dans les cabahirs et on fait le riba. Allons-y. Et puis, disons, Bismillah aussi avant d'entamer un, un saucisson de porc. Quel ni'am, il y en a qui rien à manger. Vraiment, Allah m'a béni. Hein C'est pareil que je, je disais des rappeurs, des artistes. On peut vraiment s'attaquer à tout type de cas. C'est très répandu dans cette communauté, malheureusement. Mais Sahaba nous verrait, mais il dirait, mais, mais qui sont ces gens Il dirait, mais qui sont ces êtres étranges Qui se félicitent entre eux Qui s'applaudissent, qui ont le sourire, alors qu'ils sont dans les kabair le, le vrai problème, c'est même pas les kabairs. Je le dis, je le répète. Si c'est un problème, mais si c'était que ça, c'est la réjouissance dans les cabarets. Ça c'est sidérant. Donc voilà. Je disais, comme j'avais connu, voilà, les, les artistes, les rappeurs qui se félicitent euh, de leur vente d'albums, d'accord, de leurs concert, de leurs vues, les millions de vues là. Et qui disent, c'est Dieu qui donne, comme ils disent. Donc c'est Allah qui met la baraka. D'ailleurs, je ne m'acharne pas sur son cas et sincèrement, même avec du recul, qu'Allah lui facilite parce que. Je ne sais pas exactement à quel degré d'implication il est, il n'est pas, et ceci. Mais bon, c'est pas clair. Le petit Mohamed, hein, Mohamed Silla, c'est-à-dire MHD, qui disait qui disait dans un de ses textes, euh, il était affilié à d'autres rappeurs euh, tout aussi noyés dans le satanisme et dans euh, le, 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 le monde du haram et, et tout ça que, que lui. Euh, J'ai la baraka, c'est Dieu qui donne un truc comme ça, en train de danser dans une boîte de nuit avec des filles toutes nues derrière et une bouteille d'alcool et je sais pas trop quoi. Ça, c'est voilà, ce qu'on m'a rapporté. Donc, j'ai la baraka, c'est Dieu qui donne. Est-ce que maintenant, Mohamed, si tu m'entends, sait-on jamais Est-ce que tu penses, et c'est pas un acharnement sur toi si tu m'entends, mon frère Pas du tout. Pas du tout. Parce que ton cas est triste. Ton cas est triste. Shaitan t'a enjolivé la chose. Regarde, toi aussi, tu as pensé que. Mais c'était pas ça. Est-ce que tu penses maintenant que tu as la baraka Tu penses vraiment Mais c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc, ça. Ça, ça danse avec des vêtements moulants, avec des femmes nues, de l'alcool, là où il y a de la musique, vraiment tout. Wallahi, la chétanerie totale. J'ai la baraka, c'est Dieu qui donne, en levant les mains en l'air. Allah Respecte ton prénom, Mohamed Mon frère, qu'est-ce que c'est triste Qu'Allah fasse que cette épreuve pour toi, si tu m'entends, soit salutaire. C'est-à-dire, il se peut que vous détestiez une chose, mais il y a un bien pour vous en cela. Je te le souhaite du fond du cœur, mon frère. Je ne déteste pas quelqu'un qui dit croire en Allah. Je ne peux pas le détester. Je ne te déteste pas. Je déteste ce que tu as fait, ce que tu as représenté, mais pas toi. Comme j'ai déjà dit à Husni ou comme j'ai déjà dit à d'autres, je déteste vos actions. Comme je déteste les miennes quand elles sont mauvaises. Je me dois de le faire. Elle voilà l'alliance ou elle bara, le désaveu. Je me désavoue de moi-même parfois. Quand j'ai dit ça, quand j'ai fait ça, je me désavoue de moi-même. Je n'ai pas le choix. Je ne fais pas ça pour vous plaire ou vous déplaire. Je n'ai pas le choix. Et tu n'as pas le choix non plus. Tu te dois de te détester dans cette situation-là. Mais je ne te déteste pas. Comme dit Ibn Abbas, عنه, Tu détestes la personne par rapport à ses actions, ses péchés. Mais on déteste pas le pécheur en soi. Quels que soient les péchés que tu as pu faire, je ne te déteste pas tant que tu dis je crois en Allah. Je dis la ila ilallah. Et de ce que je sais toi, tu dis la ila ilallah. Ton cas est triste, mais remets-toi en question. Et Inch'Allah que, à travers cette épreuve difficile, et je ne sais pas encore une fois qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, Kada ou Mais à travers cette épreuve, difficile quoi qu'il en soit, tu en tireras des leçons. Tu méditeras sur le sens de cette vie. Le poids de tes actions, de ce que tu as pu dire. Hein, mélanger le sacré avec la souillure. Je partais sur cette introduction-là, toute simple. Hein, avec juste une phrase. Prenez vos précautions, ne tombez pas dans le trou. Hein, car Shretam, c'est si bien embellir les péchés à... À nos yeux. À un point tel, comme je dis, qu'on est dans le bismillah, dans le kalam facilite. On le voit partout. Les artistes sont comme ça. Félicitations, mashallah, tabaraka wa ta'ala, pour les ventes de ton disque. Et inshallah, euh, frérot, qu'Allah t'accorde la réussite. Mais... Mais... Wallahi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment peut-on dire à quelqu'un, on est tombé à un point tel là, dans les ténèbres de l'ignorance. C'est-à-dire... C'est pas il fait nuit, c'est ténèbres sur ténèbre. C'est-à-dire qu'il fait plus clair dans le ventre de la baleine qui a avalé Younous. Il fait plus clair. Wallahi, il fait plus clair. Là, c'est ténèbres sur ténèbres sur ténèbres sur ténèbres. On se demande où est la lumière. Tu fais tout ce qu'Allah déteste, qu'Allah t'aide. Hein. Félicitations. Tartak. Voilà. Donc bientôt, je dis, les gens vont forniquer dehors comme des ânes en groupe. Voilà. Et puis ils vont tuer des gens et tout ça, et on dira Bismillah, félicitations, qu'Allah vous rajoute. Et voilà. Et on dira ça bientôt. Non, Harry, tu vas trop loin. Bah si, on en prend le chemin, mes frères et sœurs. Et c'est révoltant. Et à Ummati, réveillons-nous. Personne ne sera parfait, je le répète. Moi le premier, qui suis-je Qui suis-je Mes péchés sur mon dos pèsent lourd, qui suis-je Mais regardons-nous dans une glace. Soyons clairvoyants, et à Ummati. Essayons de nous réformer, essayons de méditer sur tout ça. Et de ne pas mélanger les choses. De, de tout faire pour essayer de se réformer. Pour vrai. À mort est proche, personne ne sait quand. Qu'est-ce qu'on va dire à Azogène Qu'est-ce qu'on va dire Qu'on n'avait pas compris ça On l'a compris maintenant. C'est clair Pourquoi on continue à se mentir Pour se rassurer. Parce que quand Shayton... Hein il a désespéré d'embellir le péché tant à la personne, il va la rassurer. Il y en a d'autres qui font pire que toi. Ça aussi, c'est terrible, mais c'est vrai. Il y en a d'autres qui font pire que toi. Ou tu vas te comparer. Ah, mais toi, tu fais ça, toi aussi. Mais c'est pas un ping-pong. On n'est pas à deux dans la tombe. On n'est pas à deux devant Allah. Wa On est tout seul. Yomar Qiyama. Ou dans ton trou. Qu'est-ce que ça va te servir Ouais, mais lui, il a fait ça. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Qui est ton Seigneur quelle est ta religion Quel est ton prophète Et tu pourras pas répondre par rapport aux connaissances que tu as. C'est par rapport à ce que tu auras vécu. Est-ce que tu as été sur Raditou Billahi Rabban, ou islam ou Bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya C'est la question qui va nous être posée. Et on répondra avec. Il euh, un en fonction, avec notre degré d'attachement, en fonction de ça, de Raditou Billahi Rabban. Allah comme Seigneur. L'islam islam comme religion, et Mohamed comme messager. Mais pas juste comme ça de le dire. Dans la pratique, tous les jours, dans les choses. De comment on se comporter, c'est ça. T'es tout seul là. Ah mais non, mais il y en a qui faisaient pire. Et Foulen il a fait ça. Il... Du coup, moi, ça va. Ça, c'est encore une autre ruse. Hein? Soit Sheddan il te fait croire que ce que tu fais c'est masha'Allah, comme il fait aux innovateurs en, en tête. Hein et au euh, grand pêcheur, euh, parmi les adeptes des Kabair, il lui fait croire que, bah, mais Alice, c'est bien ce que tu fais Comme on l'a vu, et revu, et revu, là Si ça y est, la personne commence à ouvrir les yeux, il lui dit, ah, il y a pire, mais Alice, t'inquiète. T'inquiète, et regarde lui à côté. C'est pas mieux que toi. C'est pas une course, hein. On est tout seul. On est tout seul vivre, tout seul à mourir, tout seul à être enterré, tout seul à être euh, ramené à la vie. Yo, on et tout seul à être jugé, et tout seul à entrer ici ou là. Il a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de foulaine, il n'y a pas de foulaine. Donc à quoi ça sert de dire oui mais toi, oui mais eux, oui mais lui T'es tout seul. Quand est-ce qu'on va le comprendre ça aussi Une grande ruse de Satan. Wallah il une grande ruse. Minimiser tes fautes. Te comparer au pire. Pourquoi tu te compares pas au meilleur Ah Moi, euh, ça va, je fais ça, ça, mais bon, mais alhamdulillah, Se rassurer. On doit pas se rassurer. On doit être terrifié par rapport à nos actions au contraire. Se dire... Moi je fais ça. Mais regarde tous les autres qui font le bien et qui ne font pas ce que moi je fais. Pourquoi directement dans le sens contraire C'est pas la soudna, ça. C'est pas l'enseignement prophétique. Pas du tout. Par rapport à ton dîne, à ta religion, tu dois regarder ceux qui sont meilleurs que toi. Bien meilleurs que toi. Et te dire Moi je fais ça, ça, ça de pas bien, ou je ne fais pas ça et je devrais le faire, Allah et lui, 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 elle, 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 elle n'est pas dans mon cas et meilleur que moi. Honte à moi, je dois les prendre pour modèle. Non, nous, on se rassure. Il y a lui, il y a elle, qui quoi Qui ne font pas et un île bien que moi je fais. D'apparence. Alhamdulillah, j'ai un temps d'avance. Ou bien alors, hein, qui font des fautes plus grandes que les miennes. D'apparence. alors personne ne sait hein, les degrés et les choses. Hein et qui s'est repenti, qui s'est pas repenti Personne ne sait. Mais d'apparence. Donc ça va. Cet outil de comparaison, c'est une grande ruse du diable. Elle sert à rien. Cette comparaison ne sert à rien. Voilà. Vois-toi, mon frère, ma soeur nu, non circoncis pour les hommes, pieds nus, à ne pas regarder l'autre à côté. On sera nu, comme s'est étonné Aïcha, radiallahu anha. Il s'est étonné, on sera nu, l'a dit. Oui, mais ce jour-là, c'est pire, je le dis moi. C'est pire qu'un immeuble en flammes. Il a dit, ce jour-là, personne ne va regarder les autres. Le jour est trop terrifiant. Chercher el il l'avait expliqué ça comme ça, avec l'immeuble en flammes. C'est un jour où, subhanallah al euh, pire qu'un jour où tu serais dans un immeuble en feu qui s'écroule. Toi, tu descends du quatrième étage. Et ta voisine, elle est nue sur le palier. T'as le temps de la regarder et de dire, oh, belle femme, belle forme, agréable, je me rince l'œil, t'as pas le temps. Tu sauves ta vie, tu traces, tu pars. Bah c'est pire. Et au c'est pire. L'heure est tellement grave, le jour est tellement grave, gravissime, qu'on est tous nus, mais personne ne se regarde comme ça, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Bah, non, imaginez, imaginez même les prophètes, les femmes de prophètes. Khlas, état originel. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de distinction aussi, hein, de, 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 comme ça. Il n'y a ni d'ethnie, ou de culture, ou de rang social, il n'y a rien. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Bah, imagine-toi là, ce jour-là. Et Allah ne donnera la, la parole qu'à celui qui l'aura voulu. C'est-à-dire que ne pourra parler, hein. Euh, la, per la personne ne pourra parler qu'avec la permission d'Allah. Bien sûr, ici aussi, c'est Ibn mais là, hein, elle sera figée la personne. Qu'est-ce que tu vas te servir de. Ah mais lui là à côté il a fait ça hein ah donc moi hein non 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 on doit se juger seul et on doit se positionner par rapport au meilleur où sommes-nous par rapport au meilleur loin les pires on doit même pas les regarder ou les gens comme nous on doit même pas les regarder C'est un pêcheur lui aussi il fait comme moi il fait, et alors c'est tout c'est une sincérité sincère peut-être dure hein je reprendrai les propos le, le fameux titre de Rachid qu'Allah le guide Naam des propos durs mais pas le choix des paroles dures mais pas de choix, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, pour le coup, il faut être juste que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Tout ce qu'il a dit dans, dans cette vidéo-là précisément est vrai. Je l'ai regardé, je le dis. Je ne suis pas en train d'encenser cette personne. Non, il a des défauts, il a des manquements, il a des dans le sens euh, dans la voix, je parle dans l'enseignement et tout, ce qu'il a, ce à quoi il appelle, et je l'ai déjà réfuté plus d'une fois. Mais là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà, c'est un fait sur le comportement pendant le Ramadan. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. des, des paroles, des propos durs. Mais pas le choix je le dis à moi je le dis à moi j'essaye de, de, de me battre pour que mon ma vie soit cohérente avec ce que je dis ici je le répète je ne suis pas un ange j'ai des fautes et des péchés essayons d'être cohérent bah, essayons d'analyser tout ce qui a été dit ici de se dire là c'est pas pas logique quoi c'est pas logique de, de faire un, un, un repas pour remercier la' razoè alors que j'ai béni dans le haram. fait tauba Fais taouba, fais pas sadaqa. Oui. Tu, tu fais euh, ton péché. N'avertis pas la terre entière. Les gens, aujourd'hui, c'est l'air des, des réseaux sociaux aussi. On affiche et on étale nos péchés. Oui, comment Shaytan nous a dupés. Mais wallahi, c'est d'une tristesse, ya ummati. C'est d'une tristesse. D'une tristesse. C'est... Allah, c'est... C'est dur c'est dur. Donc, on, on affiche nos fautes maintenant. C'est même plus simplement, on en est content, on en est réjoui. Je se réjouir d'un péché, comme je dis, c'est grave. Mais maintenant, on dit aux gens, regardez mon péché, regardez, je suis heureux de l'avoir commis. Les femmes s'affichent, un hein, femme musulmane s'affiche sans voile. Et puis, comme ça, Yanni, les, les voyages, les voyages qui ne sont pas corrects, dans des destinations pas correctes, dans des lieux de mixité ou de shirk. Les musulmans, maintenant, ils se photographient à Disneyland de Paris. Bah oui, c'est le monde du shirk, comme Astérix. C'est le paradis du shirk. J'ai fait exprès d'employer le mot paradis. Pour bien hein, choquer. Ah c'est le paradis du shirk, là-bas. Il y a tout. Et ton air de zeus, c'est partout Atis. Ah, au mobile Et tu mets ton enfant dedans et ah ah, Masha'Allah, ma et s'il a un accident, il en a AVC là-dedans. C'est ça sa fin? Dans partout Atis Eh Allah. Allah L'homestein. Qu'allah nous accorde une bonne fin qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous accorde une bonne fin. c'est une tristesse. Mais non, nous on est là, merlich. Merlish. Merlish, Merlish, mais y a pire que moi. J'ai fait du bien dans ma vie aussi. Tout va bien. Allah, Chetan continue à manger mais moi je suis content, je danse avec Chetan. J'y vais, on verra bien. Ma fin n'est pas proche, on a encore du temps et c'est pas grave. Merlish, on verra bien. Allah il gafour rahim. Là même on se dit salafi, on parle comme les ichwans. On ne dit pas comme eux, c'est-à-dire Merlish ça, Merlish ça, Merlish ça, mais au fond tout est merliche, et Allah il le Rahim. Et on compte sur ça. Donc, au fond, même si on se dit sunni, parfois on pense comme des ikhwan. Les salafis, ils sont censés être fermes sur des choses. La soudna, c'est pas ce raisonnement-là. C'est pas de se dire Je sais que ça, c'est le péché, etc. Mais je baigne dedans, j'en rigole, etc. Et puis on verra bien, Allah il pardonne. Non. non c'est de la prise de conscience constante. Et si on peut s'éviter des choses, on se les évite. C'est pas le tout de s'enliser. Je vois pas en quoi c'est une âme indispensable ou hyper important, euh, ou si, euh, comment on appelle ça, si difficile de s'en défaire, par exemple, d'aller mettre son enfant au en parc Astérix. Il y a même d'autres parcs de jeux, hein, en remplacement d'autres choses, pour, euh, pour divertir l'enfant, par exemple, hein, ou d'un moindre mal. La Moindre mal, même si dans ces pays-là il y aura toujours une forme de mixité ou quoi, choisir, je sais pas moi, des. J'essaye de vous aider aussi parce que c'est pas le tout de, de gronder les gens, hein. c'est faut essayer d'aider aussi la Ummah, bien sûr. D'apporter une solution, comme on dit à quelqu'un, n'écoute pas la musique, bah, donne-lui des sourds à écouter. Quelqu'un, tu lui enlèves une chose de la main, haram, donne-lui du bien, voilà. Hein tu as dit quelqu'un, arrête de faire zina, bah, invite-le vers le mariage, tu vois. Parce que... Bon, voilà. Bah, de même, j'essaye de vous amener et vous inviter à du bien si vous délaissez des choses. Pour Allah, bien sûr. bah des. Des parcs comme ça, on peut trouver des choses ou des solutions pour que ça se passe bien. Éviter les, les jours d'affluence, les horaires d'affluence, par exemple. Puis choisir un parc où ne contient pas de cirque. Par exemple, j'en sais rien, moi, un zoo où les animaux sont bien traités. Ou il y a plein de choses. Pourquoi on est obligé de se réfugier dans les pires guépiers qui soient Sous prétexte des femmes, parce que les enfants le réclament. Mais dans ta tombe, il n'y a plus d'enfants. Yo, tu renies ton enfant. Ton enfant te renie, mon frère, ma soeur. Donc ton enfant quand il te réclame kada wa kada wa oui d'accord ok là aujourd'hui ah ben je le fais pour lui non 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 tu vis pas pour ton enfant tu vis pour Allah ta'ala. tu obéis à Allah tu te dois d'obéir à Allah tu fais ce qu'Allah aime et agré c'est pas ton enfant qui décide c'est pas ton enfant qui dirige même s'il est triste ou tu vas dire ça va me faire des problèmes les problèmes que tu vas avoir ça va être en désobéissant à Allah azzawajil. ça va être dans la désobéissance à Allah Là, tu vas avoir des problèmes. Pas parce que ton enfant il est mécontent de toi. Parce que si ton enfant est mécontent de toi, mais qu'Allah est ravi de toi, t'as rien perdu. T'as tout gagné même. Par contre, si ton enfant il est ravi de toi parce que tu as voulu lui faire plaisir dans ci ou dans ça, mais qu'Allah a Azogel il met sa colère sur toi, t'as qui T'as plus rien Ah, t'as la satisfaction de ton gosse. Super. Et t'as le courroux de ton seigneur. On n'a rien compris, Wallahi, on n'a rien compris. Donc qu'est-ce qu'on va aller se réfugier dans des, dans, des, dans des histoires comme ça, dans des guépiers pareils Disneyland Paris le chier qu'il est à tous les coins de rue sans même parler de la mixité de... le chier qu'il est partout y a rien de pire Astérix c'est non et voilà on se on se on se ment on se ment on se persuade que que tout va bien voilà et on persiste dans ces choses là jusqu'à quand jusqu'à quand à quand, à quand, à quand la... la réforme la prise de conscience voilà, de se dire que y a des choses qui ne sont pas Faites pour nous. Et pas d'excuses de c'est un pays de coups, on en Europe, on n'a pas le choix. Ça, ça n'aura pas de valeur. Devant Allah azza wa À dire, ah, on devrait partir. Oui, on devrait partir. On ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Ça, c'est un fait. Mais résistons du mieux qu'on peut ici. C'est pas le tout de dire, on est ici, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, du coup, on se laisse aller. Il y aura une récompense pour ceux qui auront tenu, justement, dans la difficulté. Dans ces pays, dans cette, à cette époque, dans cette situation. Je ne dis pas que c'est simple. Et je ne suis pas en train de dire, encore une fois, moi je suis un ange, je vous donne les grandes leçons. Ce rappel, il est fait. À moi en premier, barat Allah Qu'on se comprenne bien, hein, mes, mes frères et soeurs C'est important juste de s'entendre se dire à un moment donné. Il faut qu'on l'entende. Il faut que ce soit martelé. C'est pour ça que je me répète et que j'insiste et que j'appuie et que je suis tranchant. Il faut qu'on se pose et qu'on se dise non. Voilà. Grosse prise de conscience. C'est nécessaire. Peu importe le pays, l'époque, tout ça, c'est. Allah nous a placés dans un contexte. À nous de faire nos preuves. C'est un test, c'est une épreuve. On ne peut pas toujours se réfugier derrière des, des grandes excuses, encore une fois. Eh, tout le monde le fait, c'est comme ça. Et ça n'a pas de valeur devant Allah, ça. Il n'y avait pas de vertu à cette époque-là, et tout le monde le faisait. Et mes enfants me réclamaient Disney. Quoi, ils t'ont mis un couteau sous la gorge pour aller à Disney, sinon quoi, le petit dernier va pleurer Merlich Merlich On ne fait pas plaisir à la créature dans la désobéissance au créateur. Prouve autre chose. Redouble d'ingéniosité. Et si tu peux émigrer, alhamdulillah, et même, même, la Hijra ne, ne, ne règle pas tout de toute façon. Il y a des péchés commis aussi en terre d'islam, donc de toute façon, c'est sans fin. Émigrer, genre, ils pensent que ouais, je vais émigrer, tout va. N'importe quoi. T'as des femmes qui voyagent seules sans maharam dans des pays musulmans, avant même vers des pays de coufle. Alors allez voir. T'as des femmes qui font zina dans des pays musulmans. Hein. T'as des femmes qui font de la dans des pays musulmans. Hein. Même en Arabie Saoudite, hein. Arrêtez de penser que la hijra, ça y est, ça vous sauve, vous êtes ça y est, vous êtes des anges, hein Ça c'est pas vrai non plus, mes frères et sœurs. D'ailleurs, ils disent, ouais, ici je fais le Hara, je fais hein, je fais tout ce que je dois faire, parce que de toute façon ici c'est... Mais allez, je suis en train mais ici on peut on va pas pratiquer, c'est étouffant. Ah, quand j'aurais fait mon immigration, hein. si seulement j'avais immigré. Mais quoi T'arrives en Algérie ou au Maroc, on dit pas que c'est pire que la France. C'est pas ce que je dis, hein C'est pas ce que je dis. Alhamdulillah, il y a la veine, alhamdulillah, il y a des ulamas dans certains endroits. Alhamdulillah, on peut égorger un mouton, alhamdulillah. Mais il y a des qui il y a du shirk, y a de la bida. Si ton cœur n'est pas réformé, ta hijra elle n'est pas complète. Hein. T'as des gens, ils n'ont pas fait hijra, ils sont plus réformés qu que d'autres qui ont émigré. Ça aussi c'est une vérité. T'as des gens soumis, je parle, et des frères et sœurs qui dans l'inconscient pensent que émigration c'est ça. Y est, on est lavé, blanchi, repassé, rangé. C'est faux. C'est toi. Si t'es un pervers ici, tu seras un pervers après ton émigration. Oh l'anstein. Si t'es déjà sur la voie de la réforme ici, mais que tu t'accroches et tu luttes. Allah te facilitera l'émigration et dans ce cas-là, effectivement, tu te sentiras mieux et tu te feras peut-être moins de péché et plus de rire dans un pays musulman. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Tu as des femmes qui travaillent dans la mixité. De... Observez, à croire que les pays musulmans. Hein. Pourtant, c'est drôle parce qu'il y a assez de critiques sur les pays musulmans pour. Hein, quand ça arrange. Mais quand c'est pour encore une fois s'illusionner se rassurer, ah, si seulement j'avais émigré, ah, ça aurait tout changé. C'est pas vrai. Il y a des fois même des choses qui se passent dans les pays musulmans, c'est presque pire qu'ici. J'ai pas dit que le pays en soi il est pire. Alhamdulillah, hein. il y a une ummah et non. C'est ce que je dis. Non, on peut s'en aller. Alhamdulillah. Ça c'est bien. Mais il y a des choses qui se passent, parfois c'est pire. Donc quoi Une fois qu'on va être là-bas, on va dire Ah, si seulement on revenait à l'époque d'Abibakh Bakr !» Ah, oui. Parce que même à Mecca et Medine, je vais trouver des choses à redire. Eh oui. Donc c'est encore une fois, toi, ta propre personne, ta réforme. Même si t'étais, je prends ce lieu là parce que tout le monde le connaît parce qu'il est. Hardcore, comme on dit, Las Vegas. Même si tu étais à Las Vegas, on n'a rien à y faire, car là, nous préserve d'aller là-bas, d'ailleurs. On n'a rien à y faire. Strictement rien, voilà. Alors, si on devait faire des voyages et visiter des choses, ça serait euh, des, des, des belles régions, soit naturelles, euh, soit des belles régions où il y a des vestiges musulmans, où il y a des îles. Enfin, à la base, un musulman, il voyage pour, pour ça et pour ces belles choses-là. Si on visite la Terre d'Allah, mais aller visiter les, les magnificences du coufle et du shirk, et magnificences, je le mec des guillemets. C'est encore une fois qu'on n'a rien compris. Mais bon, Lonstain, le rappel est le rappel. Rappel qu'un rappel profite aux croyants. Écouteront ce qu'on vit d'écouter et renieront ce qu'on vit de renier. Encore une fois, chacun sa tombe. Voilà. Mais donc, si on était à Las Vegas, Lonstain, bref, on n'a rien à y faire. Bah même là-bas, il n'y a pas d'excuse de je ne peux pas me réformer. C'est moi, mon torride, ma soudna, mes oeuvres, mes yeux, mon cœur, mes mains. Je peux pas trouver le prétexte tout le temps. Voilà. Il faut qu'on arrête, même si on vit parmi eux, y a un, même si on vit ici parmi eux, il faut qu'on arrête de prendre leurs mœurs. Oui, nous sommes des Occidentaux. On ne va pas se mentir. Oui, on va pas jouer les hypocrites. Je n'ai pas dit qu'il faut jouer les pieux. Je n'ai pas dit qu'il faut jouer les hypocrites. Je n'ai pas dit qu'il faut se voiler la face. Nous sommes ce que nous sommes. Mais essayons d'être meilleurs. Non, je ne sais pas. Oui. On se tire vers le haut, on essaye d'être meilleurs, ou alors on se rabaisse et on se tire comme ça. Regardez ce que Chétan il fait de nous à un moment donné. Il nous fait même désespérer de notre propre effort, de notre propre réforme. Ah, je ne vois rien. Ce n'est pas se donner de la valeur que de penser comme ça. Non, Je suis un musulman, je suis une muslima. Je dois relever la tête, je dois avancer, je dois être meilleur. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a des choses qui sont très difficiles. Oui, mon F, s'il a été pourri, souillé, il a été malade de tant d'années de, de galère ou de, de péché. Oui, mais aujourd'hui, je connais la voie claire. Je vois où est la lumière. Ça fait peut-être mal à entendre, mais je l'accepte. Il faut que je fournisse les efforts. Le paradis en vaut la peine. Ici, je peux mourir dans une heure, dans deux jours, dans dix ans, dans tous les cas, ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que je laisse ici Comment je rejoins mon Seigneur C'est la seule question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. C'est la seule question qu'on doit se poser. Le reste, c'est du vent. Hein on, on repensera à, au travail, au voyage, à Disneyland Paris, à, à, à que sais-je, au Riba avec la belle maison. Euh, aux grandes études, mais quest que vous rap, hein, euh, Je suis dans le club et j'ai la baraka, on y repensera à tout ça euh, face à la asogélium, hein Ah, ça sera très utile. Ce sera très très utile. Même avant ça, même avant la mort, avant ça en fin de vie. Quand je gens faut leur bilan, ils sont vieux, ou ils sont malades, c'est la fin de vie, voilà. Il <laughs> n'y a plus de peps, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de cas, ah, mais machin, Si la personne, elle est croyante assez, elle va rejoindre son seigneur, hein, C'est ça, maman. Hein c'est plus proche, en tout cas, que... Hein, elle est plus proche de la fin, comme on dit, que du début. Et voilà. que de la poussière, que du vent, que des erreurs, que des regrets. Ah, j'ai fait ça, ah, j'ai fait ça, ah, j'ai fait ça. Voilà. C'est maintenant, c'est quand on est jeune qu'il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut se réformer. C'est pas après, mes frères, ça. Ouais. On repense à tout ça. Space Mountain dans la tombe. Tu m'expliqueras à quoi ça te sert. Mais c'était super. C'était génial. C'était incroyable. J'ai vu Mickey, c'était oh, Ah, là, mon fils, il a rigolé. Qu'est-ce qu'on a à faire Qu'est-ce que tu en as à faire Parce que n'est pas on. C'est toi, encore une fois, toi et toi. C'est comme moi et moi, lui et lui, elle et elle. À un moment donné, on s'interroge. Que vaut l'éclat de rire de mon fils et son sourire comparé euh, au tourment dans la vie d'ici-bas déjà Parce que déjà ici, il y aura des épreuves expiatrices, là vous veut du bien. Sinon, c'est après, c'est pire. Alors là, je. Hein, Mais déjà ici. Déjà ici, tu vas morfler, tu vas perdre, tu vas être peiné. Pourquoi Parce que tu as fait ça, 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 ça. Pour prendre du plaisir dans le haram. Parce que ça te faisait du bien. Shaitan t'a embelli le péché. T'as dit, viens, prends ton plaisir là-bas. Ça fait du bien. Fais-le. Mais Alish, Allah il est juste aussi et il C'est pas le tout que de faire les péchés, de s'enliser et de dire ah pardon. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça aussi, grave erreur. Pensez que juste les stirfars, ça suffit. Les stirfars, c'est une des choses qui favorise le repentir. C'est-à-dire demander pardon à son Seigneur. Mais le repentir à Taouba, c'est quoi c'est arrêter le péché, regretter le péché et avoir l'intention de ne pas le recommettre. Maintenant, si on ne regrette pas ce qu'on a fait comme péché, on poursuit ou même on se dit j'ai pas poursuivi encore, mais je compte bien reprendre le péché, je compte bien faire tel acte, tel acte, tel acte, tel acte. Je compte bien reprendre mes études, je compte bien voyager, je compte bien faire un riba. Comment on espère là la, la miséricorde d'Allah sur nous On est heureux, on, on, on est heureux, conscient dans le péché et on souhaite continuer. Voilà. C'est pas un taouba. Même si on dit astaghfirullah, astaghfirullah, mais tu peux dire astaghfirullah toute la journée. Ça sert à rien Tu mens. T'es pas désolé. Tu ne demandes pas pardon à ton Seigneur, puisque tu as l'intention de commettre ton péché. Ça aussi, il faut qu'on se. Il hein? faut s'entendre se dire. Shaitan, vraiment, il est faible en ruse. Mais il arrive à nous manipuler de cette manière-là. Voilà. Voilà hein? comment il nous dupe. Et donc voilà. Euh, on sera euh, On sera là dans telle, euh, dans telle ou telle euh, situation, face à tel et tel péché. Puis on se dira, bah... Pourquoi j'ai. Pourquoi finalement Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que ça m'a amené euh, euh, comme bien voilà, je dis à là, là mais finalement euh, je ne suis pas vraiment euh, vraiment repenti et ça m'a rien amené de bon dans ma vie déjà tout de suite quand il y aura des calamités quand il y aura pas de bonheur quand il y aura des privations quand il y aura tout ça il ne faudra pas s'étonner parce qu'il y, y en a pour certains aussi la mort c'est loin pas forcément l'enfer c'est impossible pas forcément qu'Allah nous préserve bien sûr je souhaite à aucun de mes frères et sœurs, qu'Allah vous pardonne. Allahumma rafi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma rafi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Wa Allahumma rafi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Mais, là like c'est possible. Et il faut y penser. Donc il y en a, c'est très loin ces notions d'après. Euh, Parce qu'on n'en a pas conscience. Mais là, ta vie, ça c'est concret, ta dunya, là, maintenant. Les problèmes, t'en as déjà eu. Des galères, t'en as déjà eu. Des souffrances, t'en as déjà eu. Tout le monde. T'as pas peur, non? De, tu préférerais pas avoir le de l'apaisement de la poitrine, les, la bénédiction, la baraka d'Allah Azogel. Alors fais du bien. Cesse de te laisser influencer par le shaitan. Hein? Réfute-le, le, le shaitan. Notamment à l'aide de Stars, j'espère, qui j'espère est sincère, est claire et utile. Réfute le shaitan. Prends conscience des choses et essaye d'attirer la baraka d'Allah Azogel dans ta vie. Parce qu'en continuant dans cette voie de désobéissance, en continuant dans cette voie d'aveuglement, et de se rassurer de tout ce que j'ai expliqué, avant même la fin dans cette vie, ça va être compliqué. Et il ne faudra pas s'étonner, il ne faudra pas dire, ah c'est dur et, et je ne comprends pas et personne ne m'aime et je n'y arrive pas et c'est... Allah n'est pas injuste. Tout mal qui vous atteint est dû à ce que voit un qui, et il pardonne beaucoup. Donc ce sera encore une fois justice nah, et équité et encore Allah il pardonne beaucoup. Comment on peut espérer la tranquillité, le rire je parle dounia être bien, même à l'aise dans ses biens, la, la, prendre une bonne part, être dans une bonne vie de famille, avoir les, la bonne santé, faire, bref, être bien, alors que quoi? Alors qu'on obstrue, parce que ça c'est une subsistance, un risque. Mais la subsistance, comme il nous en rapporte authentiquement, elle est augmentée via l'obéissance et diminuée via les péchés. Comment on peut espérer une bonne subsistance de manière générale, c'est-à-dire être à l'aise fit dounia être bien, sans se dire c'est l'opulence, mais être bien, alors qu'on obstrue la venue des, 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 des choses de cette subsistance. Un enfant, je euh, euh, dis voilà, une maison, ce que, ce que vous voulez, un, un confort, des biens, peu importe. Du bonheur. Du bonheur. On cherche tous le bonheur, non Comment Enfin, il est, il est illusoire, il est incomplet et, et imparfait, mais on cherche tous cette petite parcelle de bonheur, Fit Comment on l'espère alors que, dit le train d'acheminement de toutes ces bonnes choses, et, et Yanni a été saboté. Saboté tu te sabotes tout seul, toute seule, avec les péchés. C'est pas logique. Mais Shaitan, il te dit, tranquille. Khair, Mais alish, ça va aller. Dis starfirullah ça va aller. Regardez-vous <laughs> ce qu'il fait. La ruse du diable est faible. Elle est démontée ici. Maintenant, il s'agit de se prendre par la main un petit peu. Cesser d'attendre d'un tel... Hein Se prendre par la main et, 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 et s'ancrer dans le chemin de la réforme. Il se dirait, ok, j'ai compris, je fais les efforts nécessaires. Je veux être heureux, fit Le bonheur véritable, il ne passe que par l'obéissance à Allah, comme l'a dit Cheikh Abdel Razak el-Badr. J'avais mis le, le, le poste euh, récemment, cette phrase-là. Cette phrase, elle est concise, il dit, mais elle, elle mérite d'être propagée parmi tous nos frères et sœurs et nos enfants, parce qu'elle contient énormément de bien, mieux qu'un grand discours. Il n'y a de bonheur véritable que dans l'obéissance à Allah Mettez-vous ça dans le crâne, chers frères et sœurs, bien-aimés. Je ne dis ça que pour votre bien. Mieux une parole, entre guillemets, dure, on pourrait dire, parce que ce Dar, me doute bien qu'il ne va pas plaire. Mais mieux vaut une parole dure, qui en vérité aura un effet salvateur, je cherche ton bien à travers cela, qu'une parole mielleuse, mais pour s'ancrer dans le laxisme et la peine. Moi, je suis qui, moi Un traître pour ma communauté je ne vous dis pas la vérité, je ne vous dis pas les choses. Encore une fois, je le dis à moi en premier. Hein. Mais on se voit de la face. Puis après, je vois moi, lui, elle, dans la peine, mes proches, moins proches. Quoi qu'il en soit, vous êtes mes frères et sœurs. Et je vous vois comme ça, pleurer, être triste, pas comprendre, morfler dans cette vie. Et que dire d'après Je suis un traître, moi, pour faire ça Non. Je vous dis les choses qui ne font peut-être pas plaisir à entendre. Mais c'est comme ça. C'est une vérité qui mérite en tout cas d'être entendue. Pour que, Inch'Allah, eh ben, il y ait du changement. Voilà. Et vous voir euh, heureux par la suite. Parce que être heureux, le bonheur véritable, ça ne passe que par l'obéissance à Allah. Les péchés, c'est que le malheur. Même si, sur le moment, effectivement, tu peux avoir un plaisir éphémère. Tu peux euh, avoir une certaine jouissance. Voilà. La zina, sur le moment, ça fait du bien. L'alcool, sur le moment, ça soulage. Le voyage, je parle de la femme seule sans maharam, sur le moment c'est waouh, plein la vue, plein les yeux, plein l'esprit, plein le cœur, c'est magnifique, les odeurs, les couleurs, les. Oh, c'est super Et Le péché, s'il était dégoûtant en soi, s'il était dégoûtant en soi, il aurait aucun intérêt, ce ne pas... serait pas tentant Imaginez une chose, hein, ne te tente que parce qu'il y a quelque chose qui. Hein, le riba, c'est quand même magnifique de rentrer dans une banque, je le dis quand même, hein. c'est magnifique C'est ironique quand je dis magnifique, hein, mais. <laughs> Ajib tu rentres dans la banque, na, tu t'assois, tu ressors. Bah, as bien sûr, tu as signé quelques papiers et tu as vendu ton âme, entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, on se comprend. Du hein vent ton âme, c'est dans le milieu du rap. C'est pareil, c'est magnifique le rap. On va y venir. Quand même, magnifique de, de rentrer dans, un, dans une pièce, de signer trois paplards, de ressortir et d'avoir 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 150 000, 200, 250 000 euros sur son compte. Jib c'est pour ça que c'est injuste en islam ça aussi, cette fonction 2. À part s'il y a le prêt qui est sans intérêt, bien sûr. Mais là, on va traiter avec des koufars, dans le haram. On est content, on a la somme sur le compte, et après on peut acheter la maison dès le lendemain, et c'est super. Ah, c'est super. Bien, mais c'est vrai que ça doit procurer une certaine sensation. Une certaine sensation. Ah, ça doit faire plaisir. Mais après. Après, c'est les problèmes, c'est l'endettement, c'est les regrets, c'est le châtiment d'Allah, c'est les... On se sent vraiment à l'abri Il y a un verset dans le Coran comme ça. Ils se sent-il vraiment à l'abri du châtiment d'Allah Est-ce que se sent vraiment à l'abri de le payer ici et après Je crois que beaucoup d'entre nous, on se sent à l'abri. Et on ne craint pas Allah Azzawajal. Qu'Allah fasse qu'on le craigne, C'est pareil, hein, le, le rap, tout ce que je disais. Je vais donner les mêmes exemples. Il y a une jouissance célébrité, des femmes, qui, des femmes par dizaines, par centaines. Quel homme sur cette planète normalement constituée, qui n'est pas homosexuel ni asexué, n'aimerait pas être courtisé par plein de femmes Dites-moi le Oui, c'est des charlatines, c'est des femmes perverses que vous voulez, mais je parle du nef de l'homme. Bien sûr qu'il est contenté, bien sûr qu'il y a une jouissance sur le moment. Il n'a que l'embarras du choix. Mais non, je veux pas elle, je prends elle, je prends elle, je... Le nef de l'homme, il est ravi L'argent rentre, streaming Je sais pas quoi là euh, Vente de CD, tout ça, ça ils sont obsolètes. Maintenant, ah c'est des millions de je sais pas quoi, 10 de platine, les euros sur le compte et j'ai la, la, la montre dernier cri, je ne sais quoi. Regarde mes chaussures, c'est des chaussures. écoute ah, eh, eh, le prix de ton appartement. Hein. Regarde, je suis dans le dernier bolide. Je les vois, les petits jeunes de quartier, je les vois, les rappeurs. On a, ils me font de la peine. Wallahi, je vous dire une chose, je préfère mendier. Je sais que c'est dur pour le nefs. Je sais que c'est humiliant. Je sais qu'on peut en pleurer. Mais je ne me moquerai jamais d'un mendiant qui n'a pas eu le choix. Bien sûr, et meilleur le travailleur qui trouve des solutions, qui s'en sort et qu'Allah nous facilite une voie digne. Mais j'ai plus de respect pour un mendiant que pour un rappeur. Voilà. Parce que cette personne-là, c'est dur. Voilà, quand elle récolte ses petites pièces ou ses petits billets comme ça, elle demande et tout. Mais elle est plus clairvoyante, en tout cas, sur la de cette dounia que l'autre. L'autre est complètement perché, comme on dit. Ils me font vraiment de la peine. Vraiment. Eux. Ils sont heureux, ils sont dans une jouissance sur le moment. Enfin, apparente, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe quand la lumière s'éteint et quand ils sont tout seuls chez eux le soir. Notre sœur Mélanie et euh, Diams en est un exemple. Dépression, tentative de suicide, etc. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah la raffermisse, qu'Allah la préserve, elle et sa famille. Non. Mais, elle le disait. Ah là, la, la célébrité, elle a eu des millions et des millions d'euros, hein, euh, Mélanie, ex-Diams c'était pas hein c'est même pas les petits rappeurs de maintenant hein elle c'était les disques de diamants et compagnie hein. des ventes de cd elle en a fait hein. mais il oui, y a pas le bonheur donc au final tous ces petits qui s'agitent aujourd'hui là qui sont sous cocaïne ou qui sont sous shit ou sous alcool et qui dansent comme des genoux on les voit eh, regarde ma montre eh, regarde ma voiture et eh, toutes ces filles ils ont trois mots de vocabulaire prostituée argent quartier voiture Or, montre, je, je sais pas, il y a dix mots de vocabulaire à tout casser. C'est ça, la vie. C'est ça, ta vie C'est ça. Et tous les jours, c'est ça. Yeah. Every day. Every day. Every day, c'est ça. Il n'y a pas un moment donné où il est lassé ou il pleure. Je, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que ces gens-là souffrent beaucoup. Bref. Mais d'apparence, encore une fois, il y a une jouissance. Ça doit être jouissif d'avoir tout ça. Mais à quel prix C'est jouissif de forniquer, mais à quel prix c'est jouissif le riba, mais à quel prix? C'est jouissif, Kada C'est jouissif le, le voyage où on veut la liberté. Je suis une femme, mais hein, mon passeport, il est tamponné partout. Il est tamponné par les djinns et les chariotines, oui. Hein Quand t'auras le. Non, mais c'est faux, se mettre des, 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 des phrases comme ça, des images comme ça. Quand on aura le tampon, hein, de, de, je dirais le tampon de la honte, ou le tampon de la douleur. Hein ou imagine un châtiment de l'enfer par rapport à ce, ce tampon-là. Et imagine ce tampon-là sur ton passeport. Des, des, des exemples comme ça, on doit se mettre face à des choses comme ça. Hein, se dire quand Quand je prends de l'argent haram, via le riba, c'est jouissif le riba, comme je disais. Mais ben, tu manges du feu. Tu vois, quand tu prends là ton soror, parce que t'es un musulman pieux, machin, là, qui fait ramadan, pour autant tu fais riba. Tu prends là comme ça à ton. Ah, regarde, Donc, Sachez sachet là, hey, tu manges, c'est du feu. C'est du feu. Pourquoi Parce que t'as acheté ça avec l'argent de riba. C'est du feu. Du feu. Bah Imagine-toi manger des braises. Ah là, tu vas dire non non, non, moi je mange pas des braises, euh, vous me prenez pour qui Et pourtant, t'as l'air décontracté pour quelqu'un qui mange des braises. Allah nous Donc attention à la jouissance trompeuse et éphémère. Cette dounia n'est que jouissance trompeuse et éphémère, de toute façon. De toute façon. Dans son entièreté. Même les choses halal licites. Même le bien. Allah azzel nous le dit. Femme, enfant, fitna de ce babon. Et pourtant, c'est licite. On a parlé de femmes et d'enfants, pas de prostituées et, et, de, et, et, de, et de drogue ou ce que vous voulez. Hein hein pas d'argent sale. Non. Femmes et enfants. Ce que, que tu as le droit. Licite. C'est une fitna. Toute cette dounia n'est que zina, c'est-à-dire euh, parure. Parure. La définition de zina, c'est la parure. Jouissance trompeuse et éphémère. Dans l'ensemble. Que dire en plus des choses dans le péché Attention à la jouissance éphémère, mes frères et sœurs. À croire que. Parce que sur l'instant, ça nous a l'air d'être du bien et on dit bon, ça m'appelle, ça m'apporte. Ben bah, ça t'apporte pas du bien du tout. Ça t'apporte en vérité que des soucis à l'avenir. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et qu'Allah te fasse miséricorde et qu'Allah te pardonne si tu es dans un cas pareil. Et qu'Allah t'ouvre les yeux mon frère, ma soeur. Bientôt tu comprendras. Et si c'est pas ici, parce que si c'est ici, tant mieux pour toi. Tant mieux si des calam calamités s'abattent sur toi. Je ne te les souhaite pas du tout. Mais tant mieux si les calamités s'abattent calamités, sur toi. Ça voudrait dire qu'Allah te veut du bien. Comme disait Chert Chalabi et tous les savants l'ont dit aussi, si tu commets les péchés et qu'Allah ne t'envoie pas de, de mal, d'épreuves, c'est qu'il ne vaut aucun bien pour toi. Donc tant mieux si tu as des catastrophes dans ta vie parce que tu les mérites euh, au vu de tes péchés. Tant mieux. Oui, tant mieux. Parce que si ça vient après, long time, je n'ose même pas imaginer. Personne ne peut imaginer ce que ça va être de payer après. Et je ne pense pas que tu veux ça pour toi. Je ne pense pas que tu souhaites souffrir après. Et dans cette vie, et après dans l'après, dans l'au-delà. Je ne pense pas. Alors raisonne. Raisonne maintenant. Et prends le chemin de ce qui peut t'apporter du bien, à savoir l'obéissance à Allah, et délaisse le chemin de ce qui ne va t'apporter que du mal, quoi que tu en penses, qui est la désobéissance à Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension de tout ça. Qu'Allah nous facilite l'acceptation de tout ça. Qu'Allah nous facilite la réforme. Qu'Allah nous facilite. L'application donc est qu'elle nous facilite à transmettre ce message au plus grand nombre. Je le répète une énième fois. Je le répète, je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange en quoi que ce soit. Je ne suis qu'un être humain. Je suis faible. J'ai des péchés. J'ai des manquements. Mais j'essaye d'être clairvoyant sur des choses. J'essaye. C'est pour ça que je vous ai transmis cette exhortation. À la base, je lisais le livre et puis ça fait peut-être maintenant 40 minutes que je parle comme ça. C'est avec le cœur ce que j'ai dans l'esprit dans le cœur ce que j'ai pu apprendre de ce dîner ce que j'ai pu comprendre que je vous transmets cela je n'ai que faire de jouer le moralisateur pour m'élever je ne suis rien je ne suis personne ça ne qu'est-ce que ça pourrait me faire gagner na'am de vous de vous dire tout cela pour me sentir meilleur que vous absolument rien pas bah, même un euro d'ailleurs donc j'ai aucun gain ah, après pour dire euh, il s'est flatté le nefs qu'est-ce que je peux flatter mon nez pas Qu qu'est-ce à quoi ça sert les éloges j'en veux jamais je n'en ai jamais aimé et j'en veux pas je vous dis ça vraiment avec la sincérité. C'est une nasiha sincère. Moi, le premier, je me dis tout ça. Et je me suis dit tout ça depuis déjà un bon moment. Lila. Donc, j'espère que ça vous touchera et que vous le prendrez dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et que ça vous apportera du bien dans vos vies. Et puis, si vous ne voulez pas et vous préférez occulter, je peux que dire qu'Allah nous guide, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous facilite un jour à comprendre. Parce que. Parce que c'est chacun pour soi. Voilà. Et je serais navré de vous voir euh, périr. Mais vous savez, je termine là-dessus, c'est très difficile, comme j'ai fait le rappel aujourd'hui. Hein. Euh, après ta mort, ils t'oublieront très vite. C'est la vérité. Hein. Après ta mort, les gens t'oublient très vite. Tu continues à avancer, et puis tu rends tes comptes, et puis voilà, on est tout seul. Vous savez, mes frères et sœurs, ça aussi c'est poignant, et ça aussi c'est difficile, mais l'homme fait nasiha à sa femme. La femme fait nasiha à l'homme. La mère fait nasiha à son fils. Alors, un homme fait Nasiha à son voisin Des collègues se font Nasiha entre eux Ce que vous voulez Moi là je vous fais Nasiha Vous vous me faites Nasiha Bref On se conseille On se fait le rappel Mais c'est tout ça après derrière <laughs> Si l'homme ne veut pas écouter le conseil de son frère Si la femme ne veut pas écouter le conseil de son mari Si les gens disent Oui tu m'as dit Très bien Mais moi j'en ai rien à faire Je fais ça oui. Moi j'ai fait ma mission J'ai rempli ma mission je n'aurais pas à rougir. Je n'aurais pas de regrets. J'aurais fait ce que j'avais à faire. Vous comprenez? Les regrets, ils seront sur la personne. C'est chacun pour soi. Pas que dans le fait de rendre des comptes. Je vais arriver au point très touchant. Ça peut même arriver à un point. Parce que là, on parle de péché, mais il y en a, ils peuvent se diriger après vers le coufre vers le cirque. Hein. T'appelles quelqu'un à l'islam. Non, je veux pas. Moi, je préfère le coufre. T'as avec ta femme qui te dit que demain, dis pas, j'ai envie de devenir chrétienne. J'enlève mon voile, je deviens chrétienne, je mets un chapelet, laisse-moi tranquille. Tu fais quoi Voilà, on est d'accord. C'est compliqué, hein Tu peux pas forcer les gens s'il y en a qui ont envie d'aller vers l'enfer. Toi, tu dis aux gens, venez à courir vers le paradis. C'est comme là à la salade. Et ils viennent pas prier. Ils prient pas à l'heure. Comment on fait Il y en a, ils sont dans les pays musulmans. Revenons hein, sur les pays musulmans. Quand on est migre, comme je disais tout à l'heure. Il y en a là-bas. Il y en a, ils prient pas. C'est bien pour en est que qu'émigré ne fait pas tout. Hein Il y en a plein qui sont aux terrasses des cafés, ils prient pas. Et pourtant, Allah, Akbar, Allahu Akbar, toute la journée. Ici, on n'entend pas. Et on prie pourtant. Certains d'entre nous prient. Alhamdulillah, ceux à qui Allah fait miséricorde. Donc, comment on fera Comment on fera Tu peux appeler les gens. Tu peux appeler les gens, oui. Au bien. Accourez à, à la prière, accourez au succès, accourez, fil janna. Si les gens ils n'ont pas envie, non, 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 on va vers l'enfer, on va vers les passions. Et eh ben, même si c'est, même si c'est ta chair. Je parlais d'un homme, une femme, hein, non, non. bon, mais la chair, l'enfant, il n'y a rien de pire. J'ai une soeur comme ça, et qu'Allah lui, lui fasse miséricorde, qu'Allah l'aide, qu'Allah la préserve, qu'Allah, euh, l'aide dans cette situation et lui donne ce qu'elle veut. Elle a des enfants. Cette soeur-là, elle a des enfants. Son cas m'avait marqué. Et c'est pour ça que je vous le raconte ici. Elle ne m'en voudra pas, je pense, si elle écoute le cours. Et ces enfants-là sont assez grands. Mais ils ne pratiquent pas de dé Et il y en a un qui vend la drogue. Et il y en a un qui sort avec les filles. Et il y en a un, en tout cas, il ne fait pas la salat, etc. Cette mère-là, elle fait ce qu'elle peut pour... Et regardez le courant, et regardez le tawhid, et ceci et cela. Elle fait le rappel. Et elle s'épuise. Elle s'épuise de larmes, de tristesse. Parce qu'elle ne peut pas les ramener. Allah il guide et les garde qu'il veut. Tu peux t'égosiller pendant des jours, des jours et des jours et des jours et des jours et des nuits. Les prophètes l'ont fait avant toi. Ils n'ont pas ramené tout le monde. Pas même certains membres de leur famille. Et les prophètes qui arriveront avec zéro personne derrière. Une, deux, dix et d'autres des millions. Donc toi, t'es pas prophète. Mais t'es avertisseur. Tu fais le rappel. Même aux gens de ta famille. Il y en là, ils n'ont pas envie d'écouter, préfèrent faire un petit péché. Ils le font. Un grand péché, ils le font. Une bida, ils le font. Un coufre, ils le font. Un chir, ils le font. Et quoi Qu'est-ce que tu vas faire Oui, c'est poignant. Oui, c'est triste. Oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu peux faire Mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire Tu vas pleurer toutes les nuits On le fait tous. Des Doha, on le fait tous. Et après Tu ne pourras pas changer les choses. Il y a des gens. Voilà. Qui seront. C'est là, j'en arrive vraiment au point le plus poignant. Ils seront destinés à l'enfer, mes frères et sœurs. Au-delà des péchés qu'on va payer de tout ça. Il y a des gens qui seront sortis de l'islam, mes frères et sœurs. Qui seront destinés à l'enfer. Des gens qui nous sont chers. Leur place. Leur place dans C'est dans le brasier. Et leur... Leur fonction. C'est le combustible pour le feu. C'est d'être du combustible pour le feu. Et ces gens-là, tu les côtoies tous les jours. Hein, Au-delà de celui qui a fait un péché, je pas. Des gens qu'on n'a rien à faire de Dîn. Tu les côtoies tous les jours, tu les embrasses, tu leur souris. Potentiellement, qu'Allah leur fasse miséricorde et les guide, ce sont des combustibles pour le feu. Et c'est pour te montrer non, le détachement que tu dois avoir vis-à-vis -vis des créatures. Une fois que tu as fait le rappel, tu t'en remets à Allah. Et tu te dis c'est solo solo. Nefsi nefsi. Parce qu'il y en a d'autres de cette même famille, de ce même clan, qui seront destinés au paradis. Alors. Donc tu vois, il y a une séparation. Il n'y a plus de famille d'enfants. Il se peut que la mère soit au paradis, l'enfant soit au feu. Il se peut que l'enfant soit au paradis, la mère soit au feu. Comme c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle et ses parents. Et il n'a pas choisi et il a voulu demander à Allah pardon pour son oncle. Allah lui a dit non, demande pas pardon pour les mécréants qui sont morts. Et son châtiment, Abu Talai, le moindre qui soit, Parce qu'il a aidé son neveu. C'est d'avoir. Le cerveau qui bouillonne à cause de la chaleur, nahm, de, de ce liquide ou de ce feu qui sera à hauteur de ses pieds et de ses chevilles. Voilà, voilà la réalité. Donc, tu pas lié aux gens, hein, même si tu les aimes. Il y a un lien, il y a un certain lien, et on est lié à toute la communauté de toute façon. On transmet ce qu'on doit transmettre après Khlas. Chacun sa route. Chacun sa route. Si certains veulent suivre le bon chemin avec toi et, et on s'enjoint les bonnes actions et le bon rappel, alhamdulillah. Si c'est pas le cas, eh bien tu ne t'arrêtes pas, tu continues ta route et, et chacun rendra ses, ses comptes. Voilà. Et tôt ou tard les, les gens, j'espère qu'ils sont obtus et qu'ils ne comprennent pas ça, qui ont des œillères, le comprendront tôt ou tard. Voilà tout. Et ne t'attriste pas, et je le dis à cette, à cette sœur si elle écoute le cours, ne t'attriste pas, Ourti, pour tes grands-enfants. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Tu ne peux pas faire plus, j'imagine, que ce que tu as fait, même si on peut toujours essayer de faire mieux. Mais tu ne peux pas tout, 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 tout changer. Ce n'est pas possible. Donne ce que tu peux donner. Ce rappel-là, il est à elle, à lui, à, à vous tous, à moi. Donne ce que tu peux donner. Fais ton maximum. Invoque, ne désespère pas. Explique avec sagesse. transmet Patiente. Mais arrivera ce qu'arrivera. Ce que la personne doit comprendre, elle le comprendra. Sinon, non. Allah guide et gars, qui il veut. Mais c'est dur quand c'est nos proches. Très dur. Très très dur. Allah nous aide. Allah Allah il a d'ailleurs donc mis en garde les croyants contre le fait de revenir vers les péchés que Shaitan sait si bien embellir à nos yeux. Et je vous ai parlé pendant une heure sur juste ça. Shaitan sait si bien embellir les péchés à nos yeux. Allah a dit dans son Al-Nur, verset 17, dans le sens Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Bien sûr, il était question ici du shirk. D'ailleurs, les musulmans qui se sont repentis après avoir goûté à l'amertume du péché éprouvent une haine des plus viscérales à l'égard de ce dernier, font preuve de plus de vigilance et savent mieux mettre en garde contre les méfaits des péchés car ils ont goûté par expérience à leurs conséquences néfastes. Ah, donc à ce sujet, c'est à se demander bien sûr, pourquoi j'arrive à en parler pendant une heure ça Pourquoi je joue le, le médecin hein C'est comme Ibn al hein il écrit le mal et le remède, et on dit c'est le médecin de l'âme. Je ne suis pas en train de rentrer dans le cas à la vie de cet homme ou dévoiler des péchés qu'il aurait fait ou avoir un mauvais soupçon, mais c'est un homme qui a forcément goûté à certaines choses, qui a connu, qui a vu de près en tout cas certaines choses pour en parler avec autant de finesse. Bien de la même manière, oui, sans rentrer en détail, j'ai baigné dans le goudron. Oui, mon âme est abîmée. Et mon âme est brisée peut-être à jamais. Mais j'utilise cette peine aujourd'hui, ces erreurs, ces souffrances, ces conséquences néfastes pour mettre en garde contre le méfait des péchés aujourd'hui. Voilà. Tu dois utiliser toi aussi, Ariurti, tes mauvaises expériences, non pas pour les contempler, pour les regretter, pour vouloir les réitérer, mais utilise ces, ces, cette amertume. Tu dois avoir de l'amertume et une haine des plus viscérales à l'égard de tes péchés. Utilise ça pour déjà être vigilant pour toi, pour faire bien attention à l'avenir. Et puis pour bien mettre en garde Inch'Allah, pour conseiller la communauté. Parce que si les gens, une sagesse, ça même dans la, le fait de tomber dans les péchés, si les gens n'étaient pas tombés dans les péchés, bien sûr, avec un taouba, hein, comment ils auraient conseillé la umma, Puisque Yanni, on peut dire, fais attention à ça, et les ficelles de ceci, le bon conseil de cela. C'est impossible que quelqu'un qui, Yanni, serait vierge de péché, parle pendant une heure sur telle chose, telle chose, telle chose, telle, chose, telle technique, ou avertir les gens. c'est pas possible. La personne ne saurait pas de quoi elle parle. Elle va simplement dire, Allah elle a dit, craignez-moi, il faut pas faire les péchés, c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas suffisant un verset. Le verset sera toujours plus puissant que n'importe quelle parole. La parole d'un homme sera toujours en dessous de celle d'Allah, bien sûr. Mais vous comprenez, pour persuader les gens, pour argumenter, pour enfoncer le clou, etc. C'est pas possible. Regardez quand il y a des, des gens qui sortent de prison après. Qu'on leur facilite. 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et qui font des petits ateliers pour parler aux jeunes des quartiers. Il avait connu un comme ça. Je ne vais pas donner son nom, ça sert à rien, mais un braqueur qui a pris 20 ans en 78. Voilà. Et qui, et qui, qui parlait après aux jeunes. Avec un discours, ma foi, tout posé. Hein, posé, intelligent, de ce que j'avais pu voir de lui. Allah le guide et nous guide. Et, euh, et voilà. Et bien, il se sert de sa mauvaise expérience pour avertir les jeunes à ne pas tomber dans ça. C'est-à-dire que la prison, 20 ans, t'en sors pas indemne. Hein. C'est la mort ou l'hôpital psychiatrique. Il dit Moi, je m'en suis sorti indemne parce que c'est une miséricorde d'Allah, mais euh, en vérité, c'est très rare. bien, C'est pareil. Peut-être qu'à une autre échelle ou dans d'autres contextes par rapport à d'autres péchés, nous sommes des rescapés sur des choses. Nous sommes tous et toutes des rescapés. Utilisons finalement alors ces, 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 ces cicatrices. Voilà. Essayons de transformer ça en quelque chose d'utile, de bien, de positif. C'est ce que j'essaye de faire, moi, en tout cas. J'espère que j'ai été convaincant. J'espère que je n'aurai pas dégoûté des gens. J'espère que je n'aurai pas froissé des gens. C'est absolument pas le but. J'ai qu'un espoir à travers ce darts, c'est d'aider mes frères et sœurs. C'est qu'ils se disent "Il m'a piqué le nefs. J'attends pas un merci. J'attends pas un un, un retour. Je veux rien. Même si vous me détestez pendant deux jours à la suite de l'écoute de, de ce darts, parce que là ah, il m'a piqué le nefs, il m'a brisé. Merlich mais tout ce que j'espère à la suite de ça, ce qui en résultera, c'est. Je le, je le remercie, mais il est là parce que ça m'a aidé, j'ai compris. Je vais changer avec ces, ces paroles-là, c'est tout ce que j'espère. J'espère vous avoir été utile. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous aide. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la, circons la circonspection pardon, est un don d'Allah. Et la précipitation est une insufflation de shaitan. Tout homme sensé a eu son moment de faiblesse. Et seul l'homme expérimenté est véritablement sage. Subhanallah, c'est ce que je disais avant ou tout le long du cours. Rapporté par la fermidi. Al-Bani l'a pour autant qualifié de faible dans le Daif, Sunan, la fermidi, mais le sens est juste en ce sens. C'est-à-dire, la circonspection, c'est un don d'Allah. la présence d'esprit, prendre du recul, se poser, etc. Et la précipitation, la folie, c'est l'insultation de Ah, hein, Comme on dit, on va faire comme ça, n'importe quelle chose. Précipité, une dinguerie, une. Elle va vite. On ne pèse pas le poids de la chose. On sait que c'est péché, quoi, comme je disais tout à l'heure, mais on y va. Voilà, juste parce que c'est bien, ça a l'air sympa, on ne se pose pas trop de questions. Ça brille là-bas, ça brille à l'horizon, et j'y vais. Je me précipite dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je. Peu importe, dans ce que je pense. Ça, c'est l'ouest-ouest du chardon. Et au bout, il n'y a que, encore une fois, que de, la, que, que de la perte et que de la souffrance. Voilà. Alors que le recul, l'analyse, voilà, essayer de, de, de pondérer un peu les choses, c'est un, un don d'Allah. Est-ce voilà. que cette chose-là, elle est utile Ça ne va pas mettre néfaste à long terme. Pensez à son après. Non. Tout homme sensé a eu son moment de faiblesse. C'est-à-dire, tout homme sensé bien, a eu des, des travers, des manquements, des chutes. Il a... Voilà. C'est vrai. Mais seul l'homme expérimenté est véritablement sage. C'est pour ça qu'on dit que les sages, je ne prétends pas en être un, mais j'espère entrevoir de loin le tunnel qui mène à la sagesse, plus qu'à la stupidité, à la bêtise. J'espère. Mais je ne suis pas un sage, loin de là. Mais j'ai pris de l'âge, en tout cas. Et l'expérience amène à la sagesse. Quand on voit l'expérience du Blanc Prime, etc., c'est pour ça que je pense que c'était un homme expérimenté. Peut-être dans des, dans des épreuves, dans des tristesses, dans des chutes, dans des erreurs. Je pense que c'était un homme expérimenté. Voilà. Lui et d'autres, hein, quand, quand des gens comme ça arrivent à, à donner des, des, des choses comme ça, des détails, c'est qu'il y a, comme le hadith le stipule, une expérience derrière. Voilà. L'expérience amène à la sagesse. Voilà pour ce cours aujourd'hui. Inch'Allah, cette exhortation, je crois que je n'ai rien à, à ajouter de plus. Sincèrement, du fond du cœur, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous raffermisse. Qu'Allah apaise nos, nos tristesses, nos souffrances qui ne sont dues qu'à euh, l'accumulation de nos péchés. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et un repos éternel auprès de lui. On reprendra avec le hadith 70, Inch'Allah, dans un prochain cours. ا justement la capacité الله اعلم واحكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته